chemin initiatique réside dans le fait qu'il n'existe pas une vérité, mais des vérités qui se complètent les unes les autres. Cela n'empêche pas un chemin initiatique d'avoir ses spécificités de manière à nous amener quelque part. Le principe initiatique en soi est un principe universel qui va s'exprimer de manière différente par différentes voies initiatiques. Le but est malgré tout toujours le même et je reviendrai là-dessus ultérieurement. À partir du moment où l'on parle du principe qu'il y a un principe initiatique et des voies initiatiques, on va parler soit du principe initiatique soit des voies initiatiques. Alors il est vrai qu'ayant abordé et approfondi plusieurs voies initiatiques, je trouverais plus intéressant d'aborder le principe initiatique plutôt qu'une voie initiatique qui a ses spécificités, ses limites, ses barrières, forcément, puisque pour avancer sur un chemin, il faut que le chemin soit balisé, mais ayant emprunté plusieurs de ces chemins, je suis à présent à même d'aborder le problème du chemin que l'on aborde pour arriver quelque part, le but du principe initiatique étant plus ou moins toujours le même. Je reviendrai également sur ce point lors d'une vidéo ultérieure. Pour résumer, on peut aborder le monde initiatique de deux manières. Soit on aborde une voie initiatique qui possède ses limites, ses bornes, son balisage, soit on aborde différentes voies initiatiques permettant de faire une synthèse de ce qu'est le chemin initiatique, la démarche initiatique. Ayant fait la synthèse de différentes voies initiatiques depuis de longues années, je trouve plus intéressant d'aborder le principe initiatique tel qu'il existe de manière universelle dans l'espace, c'est-à-dire dans les différentes civilisations, et dans le temps, c'est-à-dire aux différentes époques où différents principes et différentes voies initiatiques ont existé. Bien entendu, lorsque l'on aborde ce sujet, il peut y avoir deux raisons. La première des raisons, qui pour moi n'est pas la meilleure, est la raison du novice qui découvre un monde qui va le fasciner et qui va avoir envie d'en parler. C'est certes très intéressant, mais pour ma part, maintenant, j'ai tendance à voir les choses avec un certain recul. Si je devais donc tout résumer en quelques mots, je reviendrai au conseil du Dalai Lama, qui dit tout simplement que si nous sommes venus au monde dans un certain contexte, à une certaine époque, dans un certain monde, c'est bien que c'est dans ce monde que nous devons évoluer et donc faire notre expérience. Si nous nous trouvons dans le monde dans lequel nous nous trouvons, que nous nous y sentions bien ou pas, c'est dans ce monde-là que nous devons trouver la société initiatique qui va nous permettre d'évoluer. J'en terminerai avec cette notion, somme toute très complexe et mystérieuse, l'évolution. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela, pour synthétiser les choses, veut tout simplement dire élever notre conscience. Car au fur et à mesure que nous élevons notre conscience, nous percevons différemment le monde dans lequel nous nous trouvons et donc la compréhension que nous en avons devient toujours plus pénétrante, pour reprendre la dialectique des bouddhistes, pour qui la notion de vision pénétrante est une notion fondamentale. Pour résumer, je dirais que l'élévation permet de remonter le long du puits gravitationnel au fond duquel nous nous trouvons, de manière à percevoir les choses de manière beaucoup plus claire et pénétrante. Comparer les différentes démarches, l'esprit qui règne dans les différentes voies que l'on emprunte, permet de partager une vision d'ensemble
qui vaut ce qu'elle vaut. Mais encore une fois, ce que je partage ici n'est qu'un partage d'une perception et non pas d'une vérité, cela s'entend. How I really don't care if you are here or if you don't stay.